Adieu, adieu les gens, comment ça va? Eh ben ici, ça va. Bon, journée un peu compliquée aujourd'hui, franchement, je suis un peu dans le mal aujourd'hui, mais bon, ça peut arriver, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Eh ben j'ai presque fini ma petite buanderie. Voilà. Je vais remettre mon petit cache, hop là, sur le fût, hop, sur le fût, le fût de peinture, hop, on referme bien comme il faut, tac, 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 pour éviter que ça sèche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, petit meuble ici, hein. Voilà, petit meuble à Tancarville, hop là. Bon, un meuble, somme toute, assez classique. J'ai juste fixé une planche, une chute de planche ici. Pour pouvoir fixer mes charnières, j'ai du blanc sur les doigts. Pour pouvoir fixer mes charnières, après avec le mur, voilà, j'ai fixé des chutes en haut pour pouvoir fixer le haut et le bas. Clac, clac, emballé, c'est pesé. J'ai dû faire un rajout au fond, voilà, parce qu'en fait ça fait 80 de profondeur et j'avais que des planches de 60. Donc j'ai fait un rajout de planches au fond. Bon, ça se voit pas trop. Plan de travail ici, juste un morceau puisque ma chérie veut absolument que ici, ben, ça puisse se relever comme ça. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire ici avec du stratifié, pareil que là. Mais j'ai des soucis avec le strat qui pète dans tous les sens. Dès que je le manipule un petit peu, pac, il pète. C'est un truc de fou. Là, je le prends à peine comme ça. Là, ouais, non, là, il pète pas. Bon, ça, ah, si, il a pété. Bon, voilà. Il pète dans tous les sens. Dès que je le manipule un peu, que je veux le couper, pam, 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 il pète, c'est le bordel. Alors ici, donc, il va y avoir la machine à laver le linge. Ici, donc, le sèche-linge. J'ai quand même prévu un espace de 60, un peu plus de 60. J'ai mis 61. Parce que celui-là, il fait 40, c'est un petit. Et donc le jour où on voudra le changer très certainement, eh ben, on en mettra un grand. Je me dis en vrai que le rajout du plan de travail là, je vais peut-être abandonner cette idée-là, l'idée de le faire parce que il faut que ça tourne, j'ai un coin ici, mais en même temps il faut que je chanfreine là, enfin bon, une bonne couille à faire. Je pense que quand j'aurai fait le plan de travail qui va aller dans la cuisine, je vais prendre un morceau de chute et je vais le rajouter ici. Et comme ça, je pourrais travailler directement avec une chute de plan de travail, sans éviter de me faire chier à prendre une chute en 1,5, faire un rajout devant, le stratifier, le mettre le champ, le machin, le bidule, le chouette. Enfin bon, une merde incommensurable. Voilà. Donc, petit meuble au milieu pour mettre les petites panières. J'ai mis du polystyrène en dessous. Je ne sais pas si on le voit. Si, là, on le voit en jaune. J'ai mis du polystyrène pour rehausser un petit peu les machines comme ma chérie l'a demandé et en même temps que ça vrombisse pas trop sur le sol et qu'on l'entende pas. Petite plinthe en bas, voilà. Et puis je me suis fait aussi un placard juste ici pour tout ce qui est aspirateur, serpillière, balai, tout le tralala, voilà. Truc assez classique, truc assez simple. Bon, là, j'ai pris des petites chutes, voilà. Je me suis pas trop fait chier en vrai à faire avec des vis d'assemblage et tout le tralala. Voilà. Le problème, c'est un balai, enfin, c'est un placard à balai, donc ça va. Le principal est que ce soit esthétique du extérieur, ce qui est le cas. Voilà. Bon, j'aurais dû avoir le temps de faire mes petites plaintes, que je n'ai pas eu le temps avec ce grand truc qui m'a bouffé presque toute la journée. Hein, voilà. Je suis ravi. Mais bon, voilà. Ensuite, là, mon petit tableau électrique, donc j'ai fait le contour. J'ai fait, vu qu'il était ouvert, tout ça, je l'ai fermé en bois. J'ai fait tout un encadrement. Là, c'est en train de sécher. Il manque une dernière couche de peinture dessus. Bon, vous le voyez pas trop, mais il y a quelques endroits où il manque une petite couche de peinture. Et les portes sont en train de sécher juste ici. Voilà. Les petites portes, elles sont en train de sécher juste là, avec les petits taquets qui vont bien devant, voilà, qui sont axés en plein milieu. Et puis, ils vont aller devant le tableau électrique. Et voilà. Bon, allez les gens, je vous dis à bientôt, et puis profitez bien de cette bonne semaine.